Louis Dire, lecture apéritive. Lecture apéritive ! Dans les forêts de Sibérie, par Sylvain Tesson. Le ciel s'ouvre enfin, j'agis en russe. Cela faisait 3 ou 4 jours que je me tenais léthargique derrière le carreau. D'un bond, je me lance dehors, les chiens au basque, le sac sur le dos et 3 jours de provisions dedans. Les Russes s'organisent ainsi. De longues journées de langueur entrelardées de détentes agissantes. Je coupe vers le cap des cèdres du milieu avec l'objectif de remonter la vallée qui y débouche. Je saute les failles en prenant une marge de plus en plus grande car l'épaisseur se réduit sous le rebord des lèvres. Une averse s'abat. Je me mets à l'abri dans la forêt des premiers âges qui recouvre le cône d'épandage alimenté depuis des millions d'années par la rivière que je convoite. J'enfonce dans les mousses, des rubans de lichen feutrent le dessous des arbres. La forêt tient du marais à la Walter Scott et le sous-bois du Monte Perdu. Le soleil apparaît et tire des faisceaux dans les vapeurs, les bouleaux alignent des nerfs d'ivoire. Les rhododendrons de Daouri diffusent une odeur de vieille femme très propre qui tranche avec les relents des souches éventrées par les ours. La forêt souffle son haleine, les chiens affolés par ses profusions ne savent plus où donner. La boîte de Pandore a été réouverte et les odeurs se sont exfiltrées. La taïga sibérienne est une jungle froide. La reine des elfes apparaîtrait avec sa suite, écartant de sa main les rideaux de lichen, j'en serais à peine étonné.